Mariette i Joan es troben després de les vacances per fer una xeradeta. Mariette et Joan se retrouvent après les vacances pour une petite discussion. Bon dia, Joan. Com estàs? Tornes de vacances? Bonjour, Joan. Comment vas-tu? Tu reviens de vacances? Bon dia, Marieta. M'he passat molt bones vacances gaudint del mar i de totes les activitats festives que ens proposa el Servei d'Animació de la Vila. Bonjour, Marieta. J'ai passé de très bonnes vacances et profité de la mer ainsi que de toutes les activités proposées par le Service d'Animation de la Vila. Unes festivitats que continuen al setembre a Sant Cebrià, oi? Des festivités qui continuent en septembre à Saint-Cyprien, n'est-ce pas? I tant! Unes festivitats que culminen amb la Festa Major de Sant Cebrià, festa anual del poble. I tu, Marieta, quin dia celebra la Festa Major al teu poble de Sant Jordi des Valls? Bien sûr, des festivités qui culminent avec la fête patronale de Saint-Cyprien, fête annuelle du village. Et toi, Marieta, quel jour se déroule la fête votive de ton village de Sant Jordi des Valls? À Sant Jordi des Valls, la Festa Major es celebra el 21 i 23 d'avril per Sant Jordi. À Sant Jordi des Valls, la fête du village se célèbre les 21 et 23 avril pour la Saint-Jordi. Saint-Georges. És clar, nosaltres celebrem la Festa Major els dies 15, 16 i 17 de setembre. Una festa dedicada al nostre Sant Patró, Sant Cebrià, el 16 de setembre. Bien sûr, nous célébrons la fête les 15, 16 et 17 septembre. Une fête en l'honneur du Saint Patron de la ville, Saint Cyprien, le 16 septembre. Quasi totes les festes majors tenen un origen religiós i commemoren el Sant Patró del poble. Presque toutes les fêtes de village ont une origine religieuse et commémorent le Saint Patron du village. Però ara, amb el pas del temps, aquesta tradició religiosa s'obre a tradicions més populars. Per això, les festes majors duren més dies amb més actes. Et recordes de la Festa Major quan eres jove? Mais de nos jours, cette tradition religieuse s'ouvre à d'autres traditions populaires. Ainsi, les fêtes patronales durent plusieurs jours avec de nombreuses activités. Te souviens-tu de la fête quand tu étais jeune? Si, eren els únics dies festius de l'any. La gent no tenia els recursos econòmics suficients per sortir del poble i anar a altres festes o altres esdeveniments. Oui, c'était les seuls jours festifs de l'année. Les gens n'avaient pas les revenus pour aller à d'autres fêtes ou événements. La meva mare m'explicava també que a casa seva eren dies d'alegria i de plats compartits, que eren molt esperats, perquè et servien plats d'aquells que ens menjaven d'anys en anys. Però abans de tot, tots anaven a missa. Ma mère m'explica aussi que chez elle, c'était des jours de joie et de repas partagés qui étaient très attendus. Les mêmes plats étaient servis tous les ans. Mais avant tout, il fallait aller à la messe. Encara avui dia, entre els actes de la Festa Major, són tradicionals l'ofici solemne, la processó amb gegants, sovint acompanyats amb una banda de músics, i ja tens el programa de la Festa Major de Sant Cebrià. De nos jours, són toujours de tradició, la Grand Messe et la Procession des Géants accompagnée d'un groupe de musiciens. As-tu le programme de la fête de Saint-Cyprien? Ouf! Al programme, il y a toute une série d'actes amb cercaviles, balls, concerts, sardanes, danses traditionnelles, castells, fires et correfocs. Et bien, au programme, il y a toute une série de manifestations avec des défilés, des balles, des concerts, des sardanes, des danses traditionnelles, des châteaux humains, des marchés, des spectacles pyrotechniques. És una festa major meravellosa, de veritat, per gaudir-la amb els amics i familiars. En vérité, c'est une magnifique fête à partager avec ses amis et sa famille. Sí, una festa que amb els anys ha anat guanyant notorietat i també una festa per donar a conèixer les nostres tradicions als nouvinguts. Oui, une fête qui a gagné en notoriété au fil des ans. L'occasion également de faire connaître nos traditions aux nouveaux arrivants. Ja he reservat aquests dies per venir a compartir amb tots vosaltres aquesta bonica Festa Major.
J'ai réservé ces jours-là pour venir partager avec vous tous cette jolie fête du village. M'encanta que vinguis a la nostra festa major. Fins molt aviat. Très heureux que tu viennes à notre fête du village. À très bientôt.